Bon, ben bonjour tout le monde. On est le 23 et le 24 juillet 2011. On est sur le site du Fort Chambly à Chambly. On est samedi. Il fait une température magnifique qui annonce aussi beau pour demain. Ça fait changement parce que moi, c'est la quatrième année que je l'organise. Les deux premières années, il y avait de la pluie. Puis la dernière année, l'année passée, c'était un peu frais. Mais cette année, on a la température idéale. À date, je vous dirais qu'on a à peu près 250 autos, 275 autos sur le site. Beaucoup de monde. On a fait beaucoup de publicité cette année à la télé, à la radio, grâce à Michel Girouard, entre autres. On va avoir M. Jacques Duval, notre président d'honneur, qui va être ici demain, dimanche, pour la remise des prix. M. Girouard va venir aussi demain pour être le président du jury du concours d'élégance vestimentaire. Fait que demain, on espère qu'il va y avoir le plus de monde possible qui vont venir costumer en costume d'époque. Pour ça, on remet 14 trophées plus 1000 $ en bourse, en argent. Okay? Donc, demain, puis surtout, il va faire un petit peu plus frais, ça va être plus agréable. Okay? Ça fait 20 ans. Oui, comme ça, comme vous dites, c'est vraiment la 20e année que l'activité a lieu ici sur le site du Fort Chambly, à Chambly. Okay? Donc, on veut mettre un peu plus d'emphase sur l'élégance. On a un site magnifique sur le bord de l'eau, il y a beaucoup d'arbres. Donc, on ne peut pas demander mieux en fin de semaine comme température. Okay. À part de ça, nos bénévoles, on est une équipe fantastique de bénévoles. On a une cinquantaine de bénévoles année après année qui viennent et le samedi et le dimanche. Donc, moi, je les remercie publiquement là, à tous ces bénévoles-là, parce que sinon, oubliez ça, c'est impossible à organiser l'affaire de même. Donc, on a beaucoup de commerçants cette année. On doit en avoir au moins, d'habitude, il y en a deux, trois kiosques. Cette année, on a au moins une quinzaine. On a la présence de la Fondation Mira cette année. C'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire beaucoup de publicité par les médias radio, télé. On a la présence de M. Guy Thibault, qui est écrivain. Il nous présente son livre. Lui a fait son premier livre sur les plaques d'immatriculation. Cette année, c'est L'automobilisme et moi. Okay? Donc, c'est un livre très intéressant. Et il remet, je pense, c'est 10 $ une partie de 10 $ à chaque livre qu'il vend, il remet 10 $ à la Fondation Mira. Donc, c'est pour une très bonne cause. Donc, non, vraiment, à date, là, moi, je suis très satisfait de l'atmosphère qui règne ici aujourd'hui. Tout le monde a l'air de bonne humeur, la vie est belle. Regardez, moi, là, tu sais, avec le pain. Bien, salut tout le monde. On va vous présenter une Chrysler 31 Impériale. C'est un modèle assez rare, qui en ont fait 6. Il en reste juste 3 enregistrés dans le Chrysler Club aujourd'hui. C'est un coupé convertible Victoria avec un body fait par la compagnie Waterhouse. Donc, c'est une voiture qui vient juste d'être finie. On a mis à peu près 6000 heures, moi et mon fils, là-dessus, en à peu près un an et demi. Si on peut faire le tour un peu. Nous, on fabrique tout, on fait tout. On fait tout, tout, tout. Que ce soit de la carrosserie, la mécanique, l'électricité. L'électricité, les intérieurs, les cuirs, remonter les sièges, les toits, le bois de la voiture, on a tout refait le bois de la voiture. La carrosserie, la peinture, tout, 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 tout au complet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les intérieurs. C'est une voiture qu'on a finie, ça fait environ 3 semaines qu'on a fini.
Puis on a été invité au show de Cincinnati, Ohio. On est sur 300 voitures, on a gagné le Best of Show. Promener partout sur le site pour commencer son moitié-moitié. Je voudrais aussi vous remercier. L'aventure a commencé vers 1990. J'avais été invité à faire une page ou deux à chaque mois, ou à peu près, pour l'auto ancienne. Et puis, à la veille de prendre ma retraite, il y a quelqu'un qui m'a dit, avec tous les articles que tu as faits, il y aurait peut-être moyen de réunir puis de faire quelque chose qui serait global puis qui parlerait de l'auto ancienne. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire le premier volume sur l'immatriculation. Et ensuite, celui-ci qui s'appelle « L'automobilisme et ses témoins ». Autrement dit, tout ce qui a entouré l'automobile, les périphériques de l'automobile. C'est ça vraiment le but premier, c'est de voir comment l'auto a pu inspirer des créateurs, des patenteux, du monde qui était vraiment inspiré par l'automobile. Ici même, aujourd'hui, on décide de vendre le volume, dont 10 $ vont à Mira. C'est une cause qui me tient à cœur. J'ai toujours trouvé que c'était une belle aventure que de faire des chiens pour aider les aveugles. Donc, dans le fond, ça m'a inspiré l'automobile ancienne. J'en ai une depuis 1989. Et puis, ce qui m'intéresse, c'était vraiment comment ça s'est passé avec l'automobile, les témoins de l'automobile. Bon, ben, le premier camion que vous voyez ici, c'est un 1931. La marque Seagrave. C'est un Seagrave Suburbanite. Il y en a eu un autre de vendu à la ville de Sainte-Rose. 1931. 90 forces de moteur. On a un 1909 ici qui appartient. Ça, c'est un tirage qui a eu lieu à l'association, le groupe de Bytown a fait un tirage. Et puis, pour se financer, ils ont fait tirer ça. Puis c'est mon copain qui a gagné ça. Malheureusement, en 2008, il est décédé lors d'une activité qu'on a faite à Syracuse. Il s'est électrocuté avec son échelle. Fait que son gars, la famille veut le garder. À côté, on a un Beacle Seagrave. 1946, le moteur a été changé. Le moteur s'est rendu un Caterpillar, un V8, un Caterpillar. Ça appartenait à la ville de la Chine. Ce qui est de particulier sur ce camion-là, c'est qu'à l'arrière, vous avez un chauffeur, vous avez un timonier. On appelle ça un timonier, tillerman en anglais. Les deux étaient canadiens en plus. Là. Ça a été fait à Woodstock. Celui de la Chine est fait à Woodstock, Ontario. L'autre, le petit Grave, le Chambly-Bassin, c'était fait à Sainte-Catherine, Ontario. T'en as combien de Seagrave? J'en ai combien? Oui. 6 ou 7. Okay. Là, je regarde. J'ai des échelles et à haut? Oui, j'ai des échelles, j'ai des pompes. J'ai des Américains de la France ici. C'est lui qui roule la parade normalement ici? Oui, le char du chef en plein, oui. Okay. Right down, en droit. Ça vient d'origine Ottawa? Non, ils ont bâti l'auto pour faire un tirage, pour se financer. Okay. Ils ont viré ça en Chief Car. Ça en fait du bruit? Ah ouais, c'est ça. OK. C'est sur ça que se termine cette visite des trois camions présents à Chambly. En cette belle journée magnifique. Du mois de juillet.